Ça, Branaille, c'est une compagnie qui est là depuis 1973. Nous avons 11 marques qui représentent une compagnie que nous produisons ici, la Kaino. Okay, nous-mêmes, nous avons une passion pour la qualité. Okay, c'est chaque marque, nous, cibler plusieurs mondes. Ça nous voulait, c'est produire tout produit avec un portfolio côté tout le monde dans la société haïtienne a besoin de passer soif. Yo. Nous avons 1200 employés dans la compagnie et puis nous-mêmes, avec toute sa brasserie à faire, nous soutenons 55 000 emplois dans le pays. Nous avons deux coupes mondiales avec bon prestige nous, que nous connaissons. Nous avons célébré 40 ans année ça. Nous avons normalement la DINEPA et aussi nous autres, nous avons notre propre puits artésien, mais qui n'est pas ici avec nous, qui se trouve à Douillard, qui est à 4 km. De la brasserie. Nous avons des tuyaux souterrains qui passent et qui arrivent à Douillard. Mais l'eau que nous recevons, que ce soit de la DINEPA ou de Douillard, elle n'est pas potable. Nous ne pouvons pas l'utiliser pour la fabrication de nos produits, ni non plus elle ne rentre pas encore à l'intérieur de l'usine. Nous avons ici un département qui s'occupe du traitement d'eau. Après avoir traité l'eau par osmose inverse, etc., maintenant l'eau purifiée, l'eau maintenant à travers avec des pompes que nous avons est introduit à l'intérieur de l'usine. Ça va? Okay. Nous continuons. On appelle ce département le département de brassage. Ok, c'est là qu'on prépare le mou qui va fermenter à la suite. Le mou MOUP. Yes, le mou ou le jus. Ok, à l'exception de la malta qui n'est pas un produit alcoolisé. Ok, pour arriver à préparer ce mou, il faut passer par 6 étapes. La première étape c'est le moulin. D'accord. La deuxième étape c'est le brassage. Ok, la troisième étape c'est la filtration et la quatrième étape c'est l'ébullition et la cinquième étape c'est la sédimentation ou le repos et la dernière étape c'est le refroidissement du moût et puis c'est tout. Normalement, le lavage intérieur, là, c'est une composition entre chimique, okay, mécanique et électrique. Donc, qui ça nous entend par la chimique, c'est, vous connaissez que bouteille, c'est bouteille retour-marché qui nous utilise, mais nous utilisons bouteille neuf tout. Donc, retour-marché, ça va le passer, il est plein de barres que les clients ont dans la poussière, des fois, il y a quelques barres plastiques. Donc, pour assurer que le lavage est bien fait, on est obligé d'utiliser une solution chimique qui est le NaOH ou bien soude caustique. Donc, nous utilisons NaOH, c'est ce qui va permettre que, en dans la bouteille, il n'y a pas de crasse. C'est chaleur ensemble avec chimique. Donc, les chaleurs, les caustiques, en dans le tank, okay, ils chauffent à une température de 80 ou 82 degrés. Il n'y a pas de chance pour la bouteille pour ne pas sortir propre. Non, alors tout travail qui fait automatique parce que machine ça c'est machine c'est alors on dit brand new machine qui est c'est dernière technologie qui est tout bagage fait automatique là-dedans. Il prend combien de temps pour bouteille laver? Bouteille normalement il prend 40 minutes pour laver. Qui a machine elle composé de trois compartiments, tank 2, tank 3. Donc bouteille elle passe dans trois tanks caustiques, bien caustiques avant pour sauter dehors et elle finit dans bien caustique là. Il passe dans trois tanks encore, qui c'est rinse final, qui c'est de l'eau propre, qui c'est soft drink, l'eau traitée qui ne touche pas qu'un bagage pour la vendre dans la bouteille pour nous assurer que toute bouteille sorte normale. Une dernière question, solution ou zine que nous utilisons, sont solutions qui sont préparées ou des chimiques qui sont préparées? Alors, solutions sont qui sont préparées sur le caustique. Alors, pour les gens qui sont dans le laboratoire, dans le domaine chimique,
nous connaissons bon NaOH dans l'école, nous connaissons qui s'atelier. OK, donc nous mettons concentration, alors nous mettons solution caustique là en dans machine là, les chauffer en température de 80 à 82 degrés. C'est un principe que nous établissons nous-mêmes ici. Hein. Qualité toujours en premier. Et nous disons soif moun gen pour produire nous. Soif moun gen pour produire nous, parce que nous disons ici, hein, nous pas seulement à payer plein bouteille avec un liquide. Nous allons beaucoup plus que ça. C'est des marques que nous avons construites. Si nous regardons marques marque prestige, son patrimoine national lié, son symbole de succès et de réussite dans le pays d'Haïti. Donc nous voulons que produire nous beaucoup plus qu'une boisson. Mais son moque, son bagage qui vle, son bagage pour chaque grain haïtien qui n'en paye. Nous disons, petit plaisir la vie. Petit plaisir la vie, hein, c'est leur déboucher une bouteille nous, avec un ami, avec un camarade, son moment de joie, son moment de partage. Et son bagage qui est important pour nous, nous voulons que produire chaque fois que nous ouvrons, automatiquement, son moment de joie que nous portons la caisse.